monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le vlog numéro 12. Il faut que je fasse le montage du 11 et que je vous le poste. Donc là, aujourd'hui, on est le 12 février. J'espère que vous allez bien. J'ai quelques colis à ouvrir, donc je vais le faire avec vous. Sinon, j'espère ouais, que vous avez passé un bon week-end. Moi, il est passé très vite parce que... Donc j'essaye de. Je me suis acheté un trépied là pour le micro. Du coup, mon micro est de l'autre côté. J'espère que vous m'entendez bien. Que le son est très bon. J'espère. Oui, week-end qui est passé très très vite. Parce que samedi, bah, j'avais un plateau. Liam avait un plateau. Donc voilà, samedi après-midi de bouffer. Voilà. Et le lendemain, on était chez l'arrière-grand-mère. De mes petits bouts, du coup, voilà, après-midi, enfin, ouais, et qu'il y avait la route et tout, donc, voilà, la journée de cuite. Donc, voilà, pas forcément colo de week-end, même pas du tout. J'ai lu, voilà, j'ai lu un peu. Je suis à combien de pourcents? J'ai lu encore hier soir. Pardon, excusez-moi, voilà, très cher. 85% de Grisha. Voilà, donc j'arrive au bout. C'est bien et je suis contente, je l'ai trouvé en e-book. Donc je vais pouvoir vendre ma version papier parce que bah c'est vraiment pas pratique. Je pense que dès que je trouve des bouquins en e-book, je vais les prendre en e-book et libérer de la place dans mes bibliothèques. Parce que là, oui, franchement, il faut que je fasse de la place dans mes bibliothèques pour pouvoir ranger mes affaires de colo. Parce que là, mon lit, c'est plus possible. Du coup, ce week-end, vendredi, j'ai reçu mes collines. Voilà, j'avais passé une commande sur Amazon Japan. J'ai reçu le reste là tout de suite. Là, le livreur vient de passer. Donc, je vais pouvoir finir ça. Et quand j'ai commencé mon nuancier, je me suis aperçue qu'il manquait un crayon. Mais ça y est, je l'ai retrouvé. C'est moi et mon bazar, bien entendu. J'ai cherché partout, par terre, je me fais non. Mais c'était derrière ma trousse de Prisma, voilà. Au fond. Donc c'est cool, je vais pouvoir finir ça. Je vais pouvoir le plastifier. J'en ai profité aussi pour faire mon nuancier de ceci que j'ai reçu aussi. J'ai reçu ça samedi. Ouais, avec mon trépied pour mon micro. Par contre, il n'y a pas de orange dedans. Donc de toute manière, je savais que ça ne serait pas la seule boîte que j'achèterais. Hein, donc je vous montre un peu le nuancier si jamais ça vous intéresse. Je vous mettrai le lien, enfin les liens en barre d'infos. Les collines aussi, je vous mettrai le lien Amazon Japan. Je les ai eus à 42 euros, un truc comme ça. Mais bon, j'ai pris d'autres choses avec parce que vous avez 20 euros de frais de port. Hein, donc voilà, j'ai amorti, j'ai pris quelques livres. Asiatique. Donc oui, il n'y a pas de orange. Voilà. Donc je prendrai une autre boîte. De toute manière. Et j'étais en galère pour les collines. J'ai pas réussi à faire tout le nuancier avec le même washi. Je suis deg. Mais bon, tant pis. Tant pis. C'est ça, les washi. Vous savez pas trop. C'est la surprise. Mais ouais. Du coup. Un petit bout là et tant pis. Hein. Donc je vais pouvoir le terminer aujourd'hui, ça c'est cool. Parce que j'étais pas bien. Hein. Je me fais zut, il m'en manque un. Je fais comment? Avec Amazon Japan, ils voudront jamais me renvoyer juste un crayon. Vu qu'ils sont pas vendables à l'unité. Impossible. Puis bon, je les ai taillés pour faire le nuancier parce que. Vous voyez la mine, elle est vraiment rikiki, hein. Voilà, donc je taille. Hop. Du coup. 1, 2, 3. Et 9. Ouais, je vais pouvoir plastifier ça aujourd'hui. Hop, il sera prêt. Je ne sais pas quelle couleur de ruban je vais mettre. Mais je sens que je vais déjà les préférer au Black Edition. Franchement, je ne sais pas si les Black Edition, je vais... Taz, arrête pas de me le dire.
Vends-les. Mais je pense que ouais, je vais peut-être. Parce que du coup, là, mes collines, ils sont dans deux trousses différentes. Parce que j'ai pas la place dans une seule trousse. Enfin, et voilà, il me reste de la place dans mes trousses, mais pas pour une gamme de 120, quoi. Donc ça, c'est cool. J'ai ça à plastifier, ça à plastifier. Est-ce qu'il me reste un marque-page à plastifier? Je sais pas trop. Je crois pas. Je sais plus si je l'avais plastifié, le Mickey. Oui, je l'ai remis dans la. Ah, si, je l'ai plastifié, le Mickey. D'ailleurs, j'ai du mal le faire parce que là, ça. Il y a une bulle d'air. Ah oui, c'est là. C'est mon truc à coin là. Pff, il m'embête. Il coupe pas net. À chaque fois, je suis obligée de repasser au ciseau. Donc voilà. Il est plus assez aiguisé. Mais comment veux-tu que j'aiguise ça, moi? Donc c'est ça qu'il faut que je me reprenne aussi. Il faut que je m'en rachète un. Et celui-là, je l'avais pris sur Amazon. Et ben, je pense que je vais pas en prendre un sur Amazon. J'en prendrai un sur Temu ou Ali. Parce que voilà quoi. C'était la minute râlage. Sinon, ce week-end, j'ai aussi reçu. Il faut que je fasse le nuancier. Des Magical. Voilà, j'ai pris ce pack-ci, donc sur Vinted. J'ai vu que la dame, elle en a pris un. Elle en a un deuxième. J'espère qu'il partira pas. Je vais attendre un peu avant de me le prendre. J'ai fait des ventes, donc je vais pouvoir me le prendre, je pense. Mais moi, je veux vraiment les Magical. Je veux pas les flats. Les flats, ça m'intéresse pas. Je veux vraiment celles qui fait face. Celles qui font plein d'effets. Et il faut que je me trouve un petit sheet. Je suis en train de penser. J'ai celui-là pour mes lunettes. J'en ai un gros. Si je pouvais transvaser celui-ci dans le gros, si ça rentre, je pourrais récupérer celui-ci juste pour mettre de l'eau dedans. Et... Parce que j'ai pas de pchit-pchit. Voilà. Donc il faut que je swatche ça. Je pense que je vais mettre sur du papier aquarelle. Je pense. Je vais me faire des petits carrés. Sinon, du coup, ce matin, je suis allée récupérer. Je vais ouvrir DHL, ça va être ce qui est colo. On va ouvrir le colo avant. Et j'ouvrirai le reste après. Du coup. Je sais pas si vous avez vu mon adresse. De toute façon, elle est tellement complexe. Hein, voilà. Ça. Donc oui, Amazon Japan, au début c'était censé être qu'une seule livraison là, arrivée lundi, et finalement bah, j'ai reçu mes colis vendredi. J'avais reçu un mail, je devais avoir un colis jeudi ou Tuesday ou Thursday, je sais plus, enfin un des deux. Donc il y a un truc qui était retardé normalement, et si c'est ça, finalement il était plus en stock, et bah, finalement, Taz avait raison, je l'ai reçu. En même temps que le reste, donc c'est les petites cartes postales Winnie. Voilà, elles sont trop belles. Ça, je l'ai gardé, ça va bien pratique pour envoyer des colis. Je garde tout. Voilà, c'est ça le souci, c'est que c'est ça mon souci. C'est que je garde tout au cas où. Et les au cas où, ça prend de la place. Alors, petit Winnie the Pooh. Trop bien. Oh là là. J'adore Winnie. Voilà, désolé Kili si tu passes par là. Mais oui, Winnie. Oh, trop beau. Du coup, très bon papier, hein. Pour l'aquarelle, ça va être cool. Là, je m'en suis recommandé quelques-unes chez Ava et Mathilde aussi. Enfin, le comptoir d'aquarelle. J'en ai recommandé quelques-unes. Parce que bah, j'ai des teintes que j'ai pas, hein, clairement. Et oh là là. Elles sont trop mimes. Donc voilà. Je vous ferai de toute manière une présentation sur la chaîne, hein, forcément. J'ai vu que j'essaye de faire toute ma collection, d'avoir toutes les présentations sur ma chaîne. Hein? Un jour, peut-être, ça sera un jour.
Dans 20 ans, peut-être. Pas que j'y rigole. Parce que c'est toujours. Voilà, c'est toujours comme ça. Alors, deuxième colis. Comment pardon pour les bruits, hein, on fait de l'ASMR. Voilà. Encore un petit carton pour. Oh, il mettant des petits cartons. Oui. J'en ai déjà eu un bah pour mes colis, je crois. Alors. Ah, il y a encore quelque chose. Voilà. Ça aussi, on va garder, hein, au cas où, bien sûr, au cas où, la liaison. Les petites facturettes, et ben, les petites facturettes bye-bye, hein, parce que de toute façon, on ne comprend rien de ce qui est écrit dessus. Voilà. Je pense pas qu'il m'ait écrit un petit mot d'amour. Je ne pense pas. Alors, j'ai pris aussi celle-ci de carte. Voilà. Donc, ça doit être Fantasia. Quoique non, c'est vraiment tout l'univers Disney. J'ai vu Mademoiselle Disneyland qui faisait celle-ci. Je lui fais, ça vient de quel livre? Je lui fais, il va pas tarder à arriver. Il est là. Oh, j'aime trop. Oh, c'est beau. J'aime bien. Ah, Alice. Ah, voilà. Kalina, tu vois, il y en a pour toi. La Belle et la Bête. Oh, elles sont mimes. Trop cute. Ah ouais, elles sont cute. Oui, j'aime trop. Donc pareil, ça arrivera prochainement. Faut que je rajoute tout ceci dans ma roulette à entamer Disney, du coup. J'ai aussi pris donc le livre. Winnie, bien entendu. Hein? Oh, c'est Mims. Et du coup, on n'a pas les. Les images de ref. Ah, là, on en a une. Numéro 11. Ah, elles sont au début. D'accord. Oh, c'est classe. Des petits tutos. Alors, trop mignon. Trop mignon, trop mignon, trop mignon, trop mignon. Oh. Oh là là. Alors, celui-ci. Et le dernier, je me suis pris le Mystica. Parce que je ne l'avais pas, de Dada Shio. Voilà. Heureusement que c'est écrit un. Sinon, je n'aurais pas su vous dire. Alors. Oh, c'est chelou. Le papier. Donc là, oui, vous avez toutes les mises en couleur au début. Et après. Je sais pas comment décrire ce papier. Mais bon, là, vous avez. C'est pas du recto verso, donc. Elle est connue, celui-ci. Hein. Celui-là, je vais devoir le faire. Voilà. C'est ce genre d'illustration que j'aime beaucoup. Les petits portraits. Allez, on en a encore un là. Je sais pas à quoi ça équivaut, ces trucs-là. Mais. Écoutez. Encore un. On est bien au niveau papier là. Elles sont mimes, voilà. Donc à voir ce que donne le papier. Bon, celui-ci, je sais qu'il y a plein, 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 plein de versions différentes. Donc encore un à rajouter. Rajouter sur mes carnets de à entamer. Ah oui, pas mal de pubs et du coup c'est les mêmes pubs quasiment. Toujours le même sac. Ah, c'est pour passer commande, ouais, bah, je vais avoir un peu de mal. Hein. Je sais pas s'ils se rendent compte quand même.
C'est tellement complexe à apprendre comme langue, ça. Oh. Tu te fous. Ça. C'est le même? Ouais, c'est le même. Un petit Mickey. Donc voilà. Pour ça, je vais ouvrir mes colis Vinted que j'ai reçus. Ah non, il n'y a pas que Vinted. Il n'y en a qu'un Vinted là. Alors. Je ne sais pas comment je vais l'ouvrir. Là. Bien emballé. J'espère que c'est pas cassé. Vu que j'ai moi-même cassé pas mal de tasses les semaines précédentes, je m'en suis recommandé. Voilà. Là, c'était un lot à 4 euros. Waouh. On voit vraiment qu'elle est neuve. Hein. Oh, trop mims. Donc j'ai pris mini. Start the day right. Oh, mims. Et j'en ai reçu. J'étais en. Voilà, j'en avais déjà commandé une autre que j'ai déjà été récupérée. C'est une Winnie. Bah, vous la verrez hein, quand je boirai mon café. Hop, comme d'hab, ça on va garder. Hein, au cas où. Ah, ma caméra, elle m'a dit non, elle n'a pas envie de bosser. Hein, alors que je venais de l'activer juste avant le live, hein, bien entendu. Oh là là, ce qu'elle est chiante! Hop, voilà. Donc le casou, hein. Le carton. Chaussure. Insupportable. Y a pas de petit goodies, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Moi, je rajoute toujours des trucs. Il n'y a même pas n'y a même pas la fiche destinataire. Voilà. Et ben, vous voyez. Et ben, vous voyez. Non, c'est cool. Elles sont trop belles. Hop. Là, ça devrait être bon. Sauf si c'est une grincheuse que j'aimerais bien me trouver une. Mais la plupart du temps, elle est chère. Je vais pas mettre 10 balles dans une tasse, moi. Oh non, 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 non. Déjà, la Winnie, là, elle venait d'Italie. Elle était à 4 balles. Elle est revenue à 9 et des. Alors, non. Ensuite, j'ai repassé une petite commande chez Linaya. Ça faisait longtemps. Mais là, je pouvais plus. Non. Il faut que je retourne. Alors. Mais. Je peux plus récupérer mes colis comme je faisais avant. Avant, j'habitais à Amiens, tout ça. Il y avait l'entreprise était sur Amiens. Maintenant, bah, ils ont déménagé sur Dubaï. Donc, bah, c'est voilà, il y a un entrepôt, tout ça. C'est fait par des tierces personnes maintenant. C'est plus voilà. Elles ont. Il y a tellement, tellement de ventes que voilà. Donc, je me suis pris la brosse. Linaya, la brosse démêlante anti-casse. On va vraiment voir ça parce que là, je n'en peux plus, Jade n'en peut plus. Donc, je croise tout ce que je peux pour que ça fonctionne. Voilà. Et que j'ai pas à lui mettre déjà du... À quoi? Non, c'est quoi? Enfin, des produits démêlants, parce que les produits démêlants de grande surface, c'est de la flotte, c'est de la merde. Et coave, c'est les coaves. Qui fonctionne plutôt bien, mais bon, j'aimerais éviter de lui mettre quand même des produits déjà dans ses cheveux à son âge. Donc, j'ai pris la brosse démêlante. Hop. J'ai pris shampoing solide à la menthe. C'est mouillé, je ne sais pas.
Ça c'est pour moi, cheveux gras, hein, parce que bah, je les lave tous les jours, hein, clairement, parce que je suis tout le temps en train de les toucher et tout, puis je bouge beaucoup la nuit, du coup je me lève le matin, j'ai une tête pas possible, donc je me vois pas sortir sans me les laver en fait. J'en ai pris un pour les enfants à la banane, et j'en ai pris un autre pour moi, booste la pousse du cheveu, donc à l'huile de ricin. Voilà, donc un à la menthe. Voilà, et il me reste un après-shampoing, moi, que j'ai encore en stock. Donc voilà, je vais mettre ça sur mes petites. Je vais pas trouver le mot. Enfin, j'ai le support qui se met directement dans la douche, quoi. C'est ça qui est mouillé, en fait. Ouais, il est mouillé, je sais pas pourquoi. Ah, c'est la condensation. C'est juste ça. Ma bagnole en ce moment, voilà, l'intérieur toute plein de condensation, de fou. Est-ce que j'ai pris là-dessus? Vous mettrez le lien du site en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Mais je suis jamais déçue. Non, il n'y a pas les prix. Et j'ai pris la crème. Crème hydratante. Apporte douceur, souplesse, hydratation. Voilà. Jade commence à s'en mettre aussi. Donc, voilà. Elle aime bien tout faire comme maman. Petit carton pour regarder au cas où. Lol. Donc, ouais. J'ai bientôt fini la mienne. Donc, je vais bientôt pouvoir la tester. Et voilà, comme ça, on va partager la crème avec Jade. À base de l'OVA, 99%. D'ingrédients naturels, voilà. Donc voilà pour les petits unboxings du jour. Ah, on va regarder. Au cas où. J'en peux plus de moi, sortez-moi de là. Eh oui, ça serait bien qu'il soit plus. Enfin, qu'il soit disponible en France aussi, qu'on ne soit pas obligé de passer par Etsy, où c'est relativement dragueur. Et Amazon Japan, ouais. Si on pouvait les trouver, ne serait-ce que sur Amazon France, ça serait vraiment cool, franchement. On va pas se le cacher. Hein. Voilà, des petites pépites comme ça, on aimerait bien les avoir plus facilement. Du coup, ouais, il faut que je fasse ça. J'ai aucune motivation pour le ménage et tout. Hein. Franchement. Il va falloir. Il va falloir. Il va falloir que je me calme aussi au niveau des achats, tout ça, parce que là, oh, ce mois-ci, j'ai bien craqué mon slip. Voilà. Mais je sais qu'il va falloir que je prenne des feutres acryliques. J'ai ça à me racheter, du coup j'ai ça à me racheter. Et d'autres trucs, je sais que j'ai d'autres trucs à acheter. Mais il va falloir que ça attende un petit peu quand même. Parce que voilà. Ah, on n'est pas Crésus. Je suis sûre qu'il va y arriver une facture ou quoi qui va me tomber au coin de l'œil. Et j'ai mon lave-vaisselle, voilà, que j'aimerais bien. Me procurer prochainement, hein, n'est-ce pas? Donc qu'est-ce qu'il y a sur ma où j'en suis? J'ai pas avancé en fait. J'ai pas avancé là. Autant dès le début ça a été très vite et là ça stagne. Ouais, ça je suis pas dedans, ça je suis pas dedans. Non. Ouais. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On a le temps hein, d'ici mars. Nous prêchons. J'ai un duo trio dans le enluminure avec Tarkovet et Dysiaq. On s'est prévu une page. Bon, on s'est pas mis de date pour l'instant. On verra bien. Mais je le sais là. Il y a sûrement un autre duo. Il y a un duo avec Hello Colo d'ici peu. Je pense dans un coloriage teens parce que bah, de ma faute, grâce à moi, elle a craqué. C'est mieux, non? Grâce à moi, elle a craqué. Donc, on va se faire un petit colo dedans, dans un des tomes. Hein. Moi, ça me dérange pas. Qu'est-ce qui est prévu aussi? Je suis sûre qu'il y en a d'autres. Il y a Kalina, je pense qu'on va se refaire un duo. Je pense que c'est prévu. Mais j'ai déjà oublié. Mais je pense. Je pense. Donc ouais, faut pas hésiter à me le rappeler.
Hein, c'est faut pas hésiter, vous me MP soit en commentaire là YouTube ou sur Insta, il n'y a pas de souci. Je réponds aux commentaires Insta, moi, hein, pas de souci. Je vais pas vous crier, hein, voilà. Vous dire d'aller vous faire. Non, je suis pas comme ça. Donc, si jamais, voilà, on devait faire quelque chose et que j'ai zappasse, que j'ai un petit peu zappé, n'hésitez pas à venir me voir. Ah si, j'ai un duo pour un page Facebook dans le Love Story. Hop. C'est quoi qu'elle a décidé? Je sais plus déjà. C'est lequel? Celui-là, je crois. Ouais, c'est le là-haut. J'ai encore mes trucs là. Je les avais enlevés quasiment dans tous mes bouquins parce que ça me fait des traces dégueulasses. Mais donc. Ouais, donc ça sera celui-là. Donc celui-là, il va être fait prochainement. Voilà. Regardez-moi ça. Je sais pas si vous voyez les traces de colle que ça fait. Ah non, mais plus jamais. Plus jamais. Autant. Voilà. Colorier des marque-pages. Se faire ses propres marque-pages. Et voilà. Les post-it. C'est fini entre nous. C'est fini, 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 fini. Ça fait des traces, des marques. Quand vous coloriez, vous voyez encore. Non, non, non. Je vous déconseille. Mais vraiment. Les post-it. Voilà, faites des marque-pages. C'est mieux. Donc, ouais, lui, il va ressortir d'ici peu. Oh, hier soir, j'étais sur le live de d'Isiac. Et il va être trop beau, son colo. Et c'est là que je me dis, Kirby, ça fait longtemps. D'ailleurs, j'ai le doodle là dans ma pack. Alors, voilà, faudrait que je fasse un petit doodle. Ça pourrait être cool. Mais ça serait bien que je finisse déjà le colo pour Didi. Aussi. Hein? Je suis dans quoi? Je suis dans le Midnight Masquerade. Pour Didi, est-ce que je vous le montre? Est-ce que je vous le montre pas? Non, je vous le montre pas parce que, bah non, c'est pas pour tout de suite maintenant. Mais je suis dedans. Voilà, je suis dans le Midnight Masquerade. Je fais la page avec le beau gâteau. Un beau gâteau. Un beau gâteau. Voilà. Parce que c'est le challenge Miam, la bouffe. Donc si jamais vous voulez nous rejoindre, c'est jusqu'au 4 mars? Je sais plus. Mais vous avez du temps, hein. Alors, non, c'est plus que le 4 mars. Je pense, je sais plus. Mais n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà. Bon, bah, je vais essayer de ranger tout mon bazar et au moins lancer une machine là. Ça serait bien. Plier du linge. Ma vaisselle, je la ferai peut-être un peu plus tard. Je pense que je vais faire ça. Je vais pouvoir ranger mon petit colline. J'ai eu peur. Hein. Oh là là, il m'a fait peur. Hein. C'est dans quelle trousse? C'est pas dans le colis de rolling? Du coup. Non, c'est 310. Bon. Ça va être avec. Mais ouais, enfin, c'est ça aussi, une trousse qu'il va falloir que je me rachète. Parce que là, ouais, d'avoir la gamme divisée en deux, c'est pas ouf. Donc c'est le 65, j'avais laissé une place, oui. Voilà, les petits collines. Avec les articles qu'il faudrait que je sorte aussi plus souvent, hein, parce que clairement, je n'en sers pas. Ah, moi, c'est Prisma à fond, hein, c'est. Mais ouais, il faudrait que je réutilise quand même mes plus petites gammes. Hein. Pour ce qui est pas Disney. Franchement, oui, Disney, oui, Prisma, parce que bah les combos, hein. Combo de Mademoiselle Disneyland, on adore. Ouais, faudrait que j'aime quand même que je sorte mes gammes, quoi. Franchement. Je me mette à coup de pied. Au cul! Bon, allez, sur ce. Ouais, c'est toujours pas arrangé, hein. Non, toujours pas. Hein. Des bisous. Attendez, est-ce que ça fonctionne? Oh, oui. Alors aujourd'hui, nous sommes mardi. Mardi 13. Demain, c'est la Saint-Valentin. Ce matin, je suis allée chercher la petite rose. Voilà, que petit Liam veut offrir à sa chérie. Voilà.
Il veut la reconquérir. Du coup, hier soir, j'ai lu un peu. Je suis à 88% de ma lecture de Grisha, tome 2. Voilà. Donc, on va finir sur une fin épique, j'ai l'impression. Mais bon, non, je pense pas que je lise le tome 3 directement derrière. Je vais me regarder. Je vais me remater la saison 1 de la série et enchaîner avec la saison 2 que je n'ai pas vue. Et après, peut-être que je lirai le tome 3, mais je pense que je vais me lire une petite romance feel good juste derrière, je pense. Voilà. J'ai quasiment fini mon colo dans le Midnight Mascarade. Hier, j'ai swatché mes poudres Magical. Il faut que je fasse à l'arrière en version pas pshitée, mais aquarellée. Voilà. Je vous montre un peu ce que ça donne. Tic-tic. Ça brille. Ouah, ça brille. Ouais, ça brille. Celle-ci, il faudrait peut-être que je la refasse. J'en ai peut-être pas mis assez. Mais voilà, faut que je finisse ça. Sinon, bah mes. J'ai fini mes deux nuanciers. Voilà. Donc j'ai fini le nuancier des With a Scent. Les feutres acryliques. Que j'ai commandé sur Amazon, mais oui, je suis déçue, il n'y a pas d'orange en fait. Donc, de toute manière, il faudrait que je me reprenne une boîte. Hein, là, j'ai pas assez de teinte, mais voilà. La première boîte, est swatchée. J'ai fini mon nuancier des collines. J'ai un truc qui s'est infiltré là pendant le plastifiage. Tant pis. Voilà, mon nuancier colline. Ils ont vraiment des belles teintes et. Il y a pas mal de roses, donc on aime hein. Pas mal de roses, pas mal de violets, c'est cool. Voilà. Pour ça. J'avais commencé un peu de montage hier, mais clairement, je ne l'ai pas fini. Parce que bon, bah, hier soir, bah, j'ai regardé le live de Kael. En continuant mon colo, du coup. Pour Didi, aujourd'hui en live, je pense que je vais commencer le colo là-haut que je dois faire pour un duo sur Facebook. Comme ça, il sera fait. Je sais pas du tout si j'ai les combos. Mademoiselle Dessinante. Attends, je regarde d'ailleurs s'il y en a des nouveaux ou pas à rajouter, à réimprimer. Hein. Là-haut, ça serait où? Est-ce que c'est par ordre alphabétique celui-là? Je sais plus. Je pense. J'ai pas l'impression. Je pense bien que je vais. Ça me dit rien chez. Non, non. Enfin, peut-être falloir que je les remette dans l'ordre alphabétique par contre. Voilà. Ça peut pas être. Ça pourrait être cool. Alors là, on a The Aristochat, Mulan, Peter Pan, Mickey and Friends. Sinon, il va falloir que je regarde et j'essaie de me trouver une image de ref là ce matin pour pas perdre trop de temps. Ah, là-haut. C'est cool! C'est cool! Oh, Mademoiselle Disneyland, je t'aime. Hop! Donc, ça, c'est good. Préparer ces crayons-là pour cet après-midi. Prépare mon titre aussi, que comme ça sera fait parce que sinon, je risque d'oublier de le faire. Mais, donc, ouais. C'est cool. Ah, ma cam, elle m'a dit, voilà, comme d'habitude, hein, j'ai pas envie. Oh, est-ce qu'elle est chiante? Je vais essayer de la désinstaller, la réinstaller encore une fois, je pense, parce que c'est vraiment relou. Sinon, le point météo du jour, il a gelé un petit peu, donc pour l'instant, voilà. C'est nuageux, mais voilà, c'est quand même. C'est pas gris, ça va. C'était le point météo. Si vous avez reconnu,
Qui fait ça? Mettez-le en commentaire. Ouais! J'arrête. Faut que j'arrête. Il faut que je range des crayons, hein, parce que là j'ai des lumis, j'ai des prismas. J'ai utilisé les chaque marqueurs là sur mon colo, mais le blanc il n'a pas voulu marcher. Voilà. Il n'a pas voulu. En même temps, c'est vrai, je ne l'ai pas essayé de l'essuyer sur ma serviette. Et... Ce petit torchon, ça marche bien habituellement, mais là, c'est vrai, je ne l'ai pas fait. Donc, on va ranger ça. Et voilà. Vous, j'espère que ça va. Je sais pas combien de fois je vais vous demander ça dans cette vidéo en fait. Que tous les jours je vous demande. Tous les jours je vous le dis. Faut que je nettoie mes lunettes, elles sont encore. Et je sais pas si je commence pas à avoir une migraine ophtalmique. Je sens là, toujours, c'est toujours de ce côté-là. Toujours cet œil-là qui. Voilà. Je nettoie mes lunettes. Voilà. Je sais pas si vous entendez ma super machine à laver, mais voilà. Ça tourne. Ma vaisselle, je la ferai ce soir. Il n'y a pas les bains à donner. Ouais. Sinon, voilà. Pas vraiment de nouveau. Je vous reprendrai peut-être plus tard. Pour voilà, si jamais j'ai avancé quelque chose. Mais franchement, si je fais du montage ou quoi, je peux pas vous montrer rien du tout. Donc voilà, moi je vous fais des bisous et je vous donne rendez-vous jeudi. Jeudi, je vais devoir faire le live le matin. J'ai un rendez-vous l'après-midi. Ouais. Ce sera la semaine prochaine que ça sera décalé. Ouais. Et vendredi, il y aura peut-être Didi en live avec moi. Ça va être cool. Et peut-être Taz si elle est en forme, on verra bien. Et donc voilà. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Est-ce que le micro fonctionne? Oui, parce que bah, je me suis aperçue que j'ai différents rushs où je parle dans le vide. Voilà. Donc il va manquer des parties au vlog, je suis désolée, mais voilà. J'ai eu la surprise au montage. Ça fait plaisir. Donc aujourd'hui, on est vendredi 16 février. Hier, en live, j'ai fini mon colo dans le. Carré Love Story. Il est là. Ah! Hop, 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 hop. Là, celui-ci. Voilà. On verra peut-être plus en détail lors de la vidéo des colos terminés, mais je me suis bien amusée. Voilà, il était vraiment cool à faire. C'était un colo pour le groupe Facebook. Un groupe Facebook où je m'inscris de temps en temps pour avancer mes livres en fait. Voilà. Quand il y a un livre où j'ai envie d'aller, bah, je me dis, tiens, je vais m'inscrire et après je verrai si un groupe se fait. Et voilà. Donc lui il est fait. Le colo de Didi, il me reste quasiment plus rien à faire dans le Midnight Mascarade. J'ai quasiment plus rien à faire. Il est vraiment en fin. Et sinon, eh ben. Voilà, j'ai commencé celui-ci. Voilà. Des gens vont me dire, ah, j'aime pas ce livre, ah, il y a trop de doodles et il y a trop de machin. Bah, moi, j'aime bien. Donc, j'ai pris une color palette et je le fais avec les Black Widow. Voilà. Donc voilà pour l'instant ma petite avancée. Mais je sais pas si je fais celui-ci lors du live ou si je fais autre chose. Je ne sais pas. Mais voilà, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je sais pas quand sera diffusé ce vlog, vu que j'ai toujours pas fini le montage du 11. Faut que je m'y mette là, faut que je m'y mette. Et la cam, ah ouais, mais si je bouge la cam là dans celui-ci, ma cam va bouger lors de. Non, c'est bon. Donc, je vais me décaler. Hein, on va faire ça comme ça. Yeah! Pardon, vous voyez, c'est toujours un peu compliqué. Hier, lors du vlog, ouais, lors du live, j'ai été embêtée avec OBS qui m'a cassé les pieds, voilà. Mais là, j'espère que le problème va être réglé, que j'aurai pas de soucis aujourd'hui. Sinon, voilà, ça va. Il fait beau, enfin, il fait beau. C'est vide, il pleuvait ce matin, mais ça va. Il pleut plus. C'est un peu nuageux, mais ça se maintient. Voilà, pour le météo du jour. Ce week-end, j'espère que je vais pouvoir colo
Un peu parce que le week-end dernier, j'ai pas quasiment pas beaucoup colorié. Ce week-end, quoi de prévu? Il y a le salon du livre dans là où j'habite. Donc je vais aller faire un petit tour, je pense. Et dimanche, on est chez papy et mamie. Mais bon, on n'y sera pas pour toute la journée, je pense. Donc y aura moyen de moyenner quand même. J'aimerais bien aller faire un petit tour sur le live de Gaël quand même, parce que bah, dimanche dernier, j'ai pas pu. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. J'ai envie. Voilà, c'est tout. Je pense que je vais clôturer le vlog ici, vu que ça fait une semaine de rush et de toute manière, je parle beaucoup trop pour ne rien dire. Je sais plus si je vous avais montré, je pense. J'ai reçu mes aquarelles, les aquarelles que j'ai commandées chez Ava. Celle-ci. Et normalement, il y en a. Les soucis avec moi, vous savez. Ah, là, je vais vous montrer. Celle-ci et celle-ci. Celles-ci m'ont été offertes. Et ça, c'est celle que j'avais. Pas d'autres cartes que j'avais. Que j'ai prises. Et j'ai pris trois couleurs que je n'avais pas. Il va falloir que j'arrive à faire les mélanges. Un jour peut-être, mais j'ai toujours pas fini de swatcher mes Magical que j'ai reçus. Voilà. J'ai pas fini de les swatcher, il faut que je les swatche aquarellés. Voilà. Sachant que j'en ai reçu un autre, une autre boîte, donc j'ai encore ceci à swatcher. Hop. Donc voilà. Moi je vais vous faire des bisous et je vais vous souhaiter bah, de bons colos. Ou de bonne lecture, quoi que vous fassiez. Je ne sais plus si je vous avais dit que j'avais fini Grisha ou pas. Le tome 2. Que j'ai bien aimé. Franchement, je pense que je lirai le troisième dans peu de temps pour pas trop perdre ce que j'ai lu. Que je m'en souvienne un minimum. Mais je vais regarder les deux saisons de la série. Et là, j'ai commencé Black Lie, voilà, Hugo Roman, New Romance. Mais voilà. J'avance relativement vite, mais c'est plus forcément les lectures que j'ai envie de faire. Là, je déstocke à fond sur Vinted mes livres. Voilà, parce que ceux que j'arrive à trouver en e-book, je les prends en e-book. Où il y en a, j'ai plus envie de les lire, clairement. Donc, ça part sur Vinted. Donc, n'hésitez pas à checker. En barre d'infos, vous avez le pseudo. Bah, de toute façon, c'est Cheval. Hein, j'ai supprimé mon ancien compte et refait un compte pour pouvoir avoir ce pseudo-là. Hein, c'est un peu compliqué. Mais voilà, j'ai supprimé et j'ai refait un compte, tant pis. Donc voilà pour ça. Moi, je vous fais donc des bisous. Et il faut pas que j'oublie de prendre les photos des colos que j'ai fait pour le challenge de Mademoiselle Disneyland. Voilà, et que je les poste, ça serait bien. Ouais. Donc voilà, des gros bisous et à la semaine prochaine pour un autre weekly vlog. Ciao!